Situé au cœur du Sahel malien, le delta intérieur du Niger couvre une superficie de 41 000 km² pour une population de 1 500 000 habitants. Cette population est composée de 5 principaux groupes ethniques qui sont les Peul, Bozo, Bambara, Songoï et Dogo. Les activités économiques sont essentiellement l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat et le commerce. La particularité du delta, c'est aussi son écosystème exceptionnellement riche. Les oiseaux migrateurs paléarctiques, venant d'Europe et d'Asie, y séjournent pendant la durée de l'hiver. La richesse de ces ressources ont valu au delta intérieur du Niger d'être classé site Ramsar dans son intégralité en 2004. Malheureusement, cet écosystème est en train de se dégrader du fait des pressions anthropiques qui sont entre autres la déforestation, le braconnage des oiseaux d'eau, la surpêche et la dégradation des terres. À ceci s'ajoutent les aléas climatiques qui ont pour conséquence la faiblesse du niveau de la crue depuis plus de 3 décennies. Ce phénomène a pris un caractère dramatique cette année du fait de la sécheresse. Wetland International travaille dans le delta intérieur du Niger depuis 1998 pour la conservation des ressources naturelles et l'amélioration des moyens d'existence des communautés. Parmi les nombreux projets mis en œuvre ou en cours d'exécution, nous avons What If We Change. Qu'est-ce que c'est que le projet What If We Change? L'initiative What If We Change, qui veut dire « Et si on changeait », est une plateforme interactive qui vise la conservation des ressources naturelles par les communautés. Il s'agit pour les communautés de restaurer les ressources dégradées. Il s'agit de voir alors ce qui va changer au niveau de ces communautés si on arrivait à cela. Cette initiative est mise en œuvre par l'UICN, Comité Pays-Bas et Wetland International. Donc le projet vise l'amélioration du statut de la conservation des oiseaux d'eau migrateurs paléarctiques et résidents dans le delta intérieur du Niger. Plusieurs activités ont été mises en œuvre. Il s'agit surtout de la conservation de la nature et la mise en œuvre de l'approche BioRight. Dans le cadre des activités de conservation, les populations s'engagent à restaurer certains sites d'importance écologique, comme les forêts inondables dégradées et les sites de bourgou dégradés. Et l'approche BioRight consiste à compenser ces communautés pour leur activité de conservation de la nature. Dans notre cas, donc tous les villages concernés par le projet ont mené leurs activités de conservation, soit une forêt, soit un site à bourgou. Et tous les villages ont bénéficié de microcrédits au niveau de la CASS CAMEC. Donc, les autorités locales qui sont fortement impliquées dans le projet depuis le début ont demandé à ce que cette initiative puisse s'étendre à toutes les communes du Delta, dans toutes les communes de la région de Mopti. En attendant une éventuelle extension du projet, l'un des premiers bénéficiaires témoigne. Comme on a dit que les gens ne sont pas les gens, ils ne sont pas les gens. 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 Ils ne sont pas anga buru passé buru yoro korodo kama wulla anga buru bende kata mara anga bawni mais jelen na ke ji do mliyan na ke buru be bana bon wetlan na na kana de kana buru kiza dama salo anya sirbi abu nyabala kena bay bela bebe na ay be buru kiza se ne buru fa na komi fo bi amiro mina buru mona yara mina kana de mes so buru anafaka bu ko so parce que nous avons fait des choses qui nous ont fait. Quand nous avons fait des choses, nous avons fait des choses qui nous ont fait.
moti marakata duanja fuko kado jamana numbera uka sagao bawo bebnet limanka anfaya nimburu ni kama.